Bon, on va repartir pour une deuxième séance. Deuxième séance carte postale. Alors, je vous rappelle que c'est un papier de 300 grammes. Fabriano. Fabriano Watercolor. Ça mesure 10,5 par 14,8. 10,5, 14. 10,5, 14,8. On va essayer de faire quelque chose de rapide et de spirituel. L'idée que j'ai dans la tête, c'est passer de l'ombre à la lumière. Alors, je ne sais pas comment je vais faire ça. Je vais travailler à sec pour éviter mon papier de gondoler. Et je vais essayer. Je cherche mes affaires encore, évidemment. Je fais ça. Avec quoi je peux commencer? Moi, je vais prendre un pinceau. Je pourrais prendre un crayon, tout ça. Un pinceau. Allez, on va prendre un pinceau. J'ai envie de prendre le pinceau qui est biseauté, un petit. Là. Bon, il faudrait que je le trouve. Je sais pas où il est mince. Trop, j'en ai trop. Il va falloir que j'en jette ou quoi? Moi je vais prendre un autre alors. Hein. Bon, celui-là n'est pas biseauté, mais c'est un petit. Bon, je prends un petit parce que la surface est vraiment petite aussi. Alors, je vais prendre du gris de peine. C'est un gris qui est joli, que j'aime bien. J'en prends assez là. Je vais essayer de travailler peut-être un peu à sec, je sais pas, en passant de la lumière à l'ombre, enfin de l'ombre à la lumière. Essayer de garder ce genre de choses que je trouve intéressant. Je travaille au feeling comme d'habitude. Voilà, il faut que je laisse un peu de lumière quand même. Quoique c'est encore bien clair. Bon, ça me plaît bien. Je vais, bon là c'est assez clair, c'est assez joli. Je vais foncer un peu par là. Comme le papier vient d'être mouillé. Ça se prête assez bien. Je vais rajouter un peu de gris de peine. Pour que ce soit un peu plus foncé quand même. Bon. Alors, qu'est-ce qui peut passer de l'ombre à la lumière? Bon, je pense à, bien sûr, c'est au niveau spirituel, quoi. La lumière, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est la vérité. Et ça peut être un personnage ici qui, ou des personnages qui sortent et qui vont vers la lumière. Je vais. J'aimerais bien trouver mon petit
pinceau biseauté. Si vous le voyez, vous me le dites. À chaque fois que je vous demande, vous ne me répondez pas. Mais il s'est planqué, je ne sais pas où. Hein. Bon, je vais être obligé de faire autrement. Bon, je vais prendre un autre pinceau. Peut-être un qui est là. Je vais prendre celui-là. Ah, moi, je suis comme ça. Je range mes affaires, je les trouve plus après. Donc, voilà. Bon, alors, c'est un numéro 6. 6, voilà. Moi, je vais faire des petits personnages, là. Voilà. Je vais les esquisser. Ils sont dans l'ombre, ils sont tout noirs. Bon, le papier est humide. Je vais faire un peu. Il avance. Il n'est pas tout seul. On est tous dans l'ombre. On peut s'entraider aussi. On peut s'interpeller, s'appeler. Je fais que des hommes là, on dirait, mais c'est valable pour les femmes aussi. Nous sommes tous pécheurs. Voilà, c'est pas une femme non plus. C'est un grand personnage. Je vais essayer de faire une silhouette un peu plus fine, plus féminine. Est-ce que c'est plus féminin? Je ne sais pas trop. Peut-être. J'attends que ça sèche et je ferai d'autres personnages, peut-être devant ou derrière, que ça fasse. Là, ils sont vraiment trois lignes. Bon, puis je les fais en avançant là-bas, donc ils sont. Il devrait être de plus en plus petit, puisqu'il s'éloigne. Là, j'ai trop forcé les jambes un peu. Je vais en faire plusieurs côte à côte. Un petit peu une foule, quoi. C'est pas toujours facile d'aller de l'ombre à la lumière, mais si on met de la bonne volonté, si on veut vraiment, on la trouve. Et on trouve ça dans la Bible. Non, je suis pas curé, je précise encore. Je suis pas un catholique non plus. Le catholique qui adore les statues. J'adore Dieu, j'adore Jésus. J'adore pas la Vierge Marie qui n'est pas la Sainte Vierge. Elle a été vierge parce que Dieu lui a permis de porter Jésus.
Après, elle ne l'était plus vierge. Elle a eu des enfants. Jésus a eu des frères et des sœurs, je suppose. Mais bon, où est-ce que c'est écrit, je ne sais pas trop. Un peu dans la Bible, d'ailleurs. Ça le dit. Bon, je mets plus d'eau. Je mets plus d'eau pour avoir des personnages encore plus loin. Plus clair. Ils sont bien alignés. Mais disons que il y a beaucoup d'appelés. J'en fais plein, je fais une foule là-bas. Soyons optimistes. Dieu veut tous nous sauver. Dieu est patient. Plus que ce qu'on pourrait penser. Dieu n'est pas responsable de tout ce qui se passe sur la planète. Il ne faut pas tout lui mettre sur le dos. Alors je mets des personnages intermédiaires. Il ne faut pas avoir peur de casser pour faire et défaire. Bon, je trouve que c'est pas trop mal. Ouais. On va faire peut-être d'autres qui arrivent plus loin. Là. On va faire des têtes. Une foule. Moi, j'espère que il y aura un maximum de. Les personnes qui seront sauvées, qui trouveront la force. Qui auront la révélation. Allez, je dis que c'est bon. Ça me plaît bien. Je vais signer. Je passerai à une autre. Moi, je passe ce bic. Je vais signer avec voilà. Michel Estival 2018. Allez, on va faire sécher. On va mettre ça en vidéo. Et on continue après. Bon, il s'est passé 5 ou 10 minutes. Ça a eu le temps de sécher. Je vais pouvoir utiliser le blanc. Je vais faire autre chose aussi. J'ai envie de faire 16. Je vais essayer. Donc, c'est sûr qu'il y ait de la lumière comme ça. Allez, un autre beau ciel bleu là. Sans nuages. Oui, il faut oser des fois. Oula. Bon, on dit que c'est bon. J'ai mouillé encore, évidemment. Pas partout, mais...
Ouais, c'est pas assez sec encore. Le frais, quand ça sera sec, je vais laisser. Je vais faire. Je vais continuer avec. Ça fait. La pointe est trop grosse là. Les oiseaux, bon, on voit que ça vole. On sait pas trop quel oiseau c'est, mais il y a des drôles d'oiseaux toujours. Les drôles d'oiseaux, ils restent là, de toute façon. S'ils font pas gaffe. Les autres, ben, ils vont vers la lumière, ils y arrivent. Petit point. Du blanc sur du blanc, ça fait blanc. Mais ils arrivent là-bas, tellement il y en a, ça fait un truc noir, des pointillés. Enfin, on va voir, on va essayer. Je suis retombé encore. Où est-ce qu'il est, ce noir? Non, c'est bien ça. Ils veulent tous nous récupérer. Le bon Dieu. Faites un effort. Repentez-vous. Et puis croyez en Jésus. Jésus qui est venu mourir sur la croix. Pour nous montrer combien il nous aimait. Il a racheté tous nos péchés. Alors il faut arrêter de voler, de mentir, de trahir. De tuer, de voler. C'est sûr que tout le monde ne fait pas ça, mais tous un petit peu quand même. On a tous piqué quelque chose. Moi, je suis allé à la pique aux pommes. J'ai piqué des petits trucs aussi, donc je suis pas fier. Pas des gros vols, mais. Et moi, j'ai pas. J'ai fumé une fois, j'ai tiré un joint. Sur un joint. Quand j'étais au Beaux-Arts, j'avais 20 ans, 19 ans. J'ai tiré sur un taf, il y avait tous les jeunes hein, qui étaient en rond, assis par terre. Et on m'a dit, écoute, alors j'ai goûté. Et puis bon, ben, j'ai été dégoûté. C'est la première et la dernière fois. Alors on pêche donc, par plein de choses. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de mes petits oiseaux? Mais il faut avoir de l'imagination. Hein. Forcez-vous un peu. Bon allez, je dis que c'est bon. Enfin, presque bon. Ah. Qui est-ce qui m'appelle? Bon, je vais arrêter, je reviens de la suite. Bon, voilà. Ah, j'ai répondu.
On pourrait l'appeler Envolez-vous. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien, moi. Je crois que je vais laisser. Que je vais laisser comme ça. Ah ouais, j'étais en train de faire. Essayer de faire. De mettre du blanc, là. Pour faire un peu de. Simuler les rayons de lumière. Caractère ce chien. N'ayons pas peur. Faire et défaire. Ouais, je dis que c'est bon. Parce que l'ennemi, le mieux est l'ennemi du bien. Je sais pas si vous êtes d'accord. Bon, je vais signer avec pas le noir. Alors moi, je pourrais signer très bien là-haut, mais. Ouais, je vais prendre le Posca blanc. Je vais signer en bas à gauche. Michel STIV1L. Et voilà. Bon ben on va faire comme ça. Envolez-vous. Voilà, c'est le titre que je vais lui donner. Merci d'avoir regardé. Peut-être une troisième après, je ne sais pas. Un petit pouce bleu si vous aimez. Un commentaire, ça fera plaisir. Pas d'injure parce que non. Allez, à bientôt. Au revoir.